Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter la Doggy Box de Noël. Donc voilà, je l'ai reçue il y a quelques jours et je suis vraiment trop contente. Donc je l'ai ouverte, mais je vais rien donner à mon chien parce que je lui garde pour Noël. Donc je le remballerai dans une belle boîte et on lui offrira pour Noël. Donc voilà, je vais vous présenter un peu... ce qu'il y a dedans. Donc si vous voulez commander la Doggy Box, je vous mettrai les liens en barre d'infos comme d'habitude. Donc on va commencer avec la Doggy Box. Donc toujours dans le carton de d'habitude. Donc tout d'abord vous avez le pochon, donc comme ceci. Donc voilà, c'est un petit chat et un petit chien. Donc ça, c'est toujours agréable d'avoir les petits pochons comme ça. En plus, celui-ci est vraiment super joli. Donc le menu se présente comme ceci. Il y a toujours les petites photos et tout. Donc je suis en train de regarder ça. D'ailleurs je suis en train de voir qu'il y a des huskies. Donc c'est trop bien. Voilà. Donc et puis il vous explique un peu les produits dedans. Donc on va commencer tout de suite. Donc on va commencer par le premier produit. Donc se mettre sur son 31 pour la veille de Noël. Donc voilà, donc vous avez soit le choix entre des lingettes ou soit un shampoing. Et donc moi j'ai eu des lingettes. Donc ça, je suis super ravie parce que bon, les shampoings j'en avais déjà. Mais des lingettes comme ça, j'ai jamais testé. Donc en fait, ce sont des lingettes nettoyantes multi-usage pour chiens et chats. Donc dedans il y a 15 lingettes. Et c'est pour nettoyer les yeux, les oreilles et les pattes. Et franchement, ça c'est top. Donc quand je les aurai testées, je vous en reparlerai. D'ailleurs, si ça vous intéresse que je vous fasse un peu, que j'en parle un peu dans des produits terminés spécial chiens, ou que je vous mette tout simplement un petit mot sur Facebook, voilà, pour vous dire ce que j'en ai pensé. Donc n'hésitez pas à me le marquer en commentaire. Ensuite, deuxième article, Ho Ho Ho, donc doudou de Noël. Donc il y a trois nounours différents, donc ici, donc là comme vous pouvez voir, et donc on a eu la petite, c'est un petit ours je pense, donc c'est un petit ours comme ceci, donc je vais vous montrer ça. Donc voilà, il se présente comme ceci, il est trop mignon avec le petit bonnet du Père Noël et tout, franchement c'est trop mignon. C'est hyper doux et voilà, c'est un petit doudou et dedans, vous avez le petit bruit. Donc ça c'est trop mignon pour Noël, c'est vraiment dans le thème, donc je lui donnerai ça le jour de Noël. Ensuite, c'est tout pour ma pomme, donc ce sont des petites gourmandises. Donc au poulet et à la pomme. Donc en fait ça se présente comme ça. Donc voilà, ça se présente comme ça. Et voilà, c'est des petites gourmandises. Voilà, données à votre chien. Donc c'est comme je vous ai dit, au poulet et à la pomme. Donc pareil, je ne lui ai pas encore donné tout ça, mais il aura ça pour Noël. Et en plus, ce qui est marqué dessus, il y a marqué faible en matière grasse. Donc pour les personnes qui font attention à ce qu'ils donnent à leur chien, donc ça c'est vraiment bien. Ensuite nous avons l'autre produit, gardez votre dinde, je préfère ma saucisse. Donc voilà, en fait c'est un saucisson, donc il se présente comme ça, et donc c'est un saucisson au poulet. Donc voilà, pareil, j'en reparlerai de ça s'il a aimé ou pas, mais bon, mon chien il est pas trop difficile là dessus donc il y aura pas de souci je pense. Mais ça franchement c'est super sympa, voilà, pour Noël. Du coup ça lui fait un petit repas en plus, donc franchement c'est top. Et pour terminer, c'est encore pour moi, donc là c'est encore un petit jouet. Donc il se présente comme ceci, donc il est trop mignon. Donc en fait c'est un petit ourson pareil avec le petit bonnet. Et en fait là vous avez une corde, donc voilà, il peut jouer avec.
Et franchement il est trop mignon. La corde a l'air vraiment sympa et solide et tout ça. Donc franchement j'ai hâte de lui donner. C'est vraiment trop mignon. Et voilà, moi je suis super ravie. Ensuite vous avez un petit fascicule, voilà, qui vous explique des trucs sur les chiens. Et j'ai pas encore regardé, mais je regarderai ça après. Voilà, donc franchement c'est top. Donc voici pour le contenu de la box. Donc je suis vraiment ravie. Franchement la box est vraiment top pour Noël. En plus voilà, ça correspond vraiment au thème. Il y a des jouets, voilà, pour Noël. On a pas mal de gourmandises aussi pour Noël, parce que nous on est gourmands, mais les chiens aussi. Donc voilà, je suis ravie de cette box. Donc voilà, j'ai hâte de lui donner à Noël. Je vous mettrai une petite photo de lui sur Instagram ou sur Facebook le jour de Noël, voilà, quand il aura eu sa petite box. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas moi j'adore vous faire ce genre de vidéo, voilà, c'est un plus, voilà, sur ma chaîne. Ce qui concerne mon chien, voilà, ça fait partie de moi, donc c'est normal que je vous en parle un peu. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez commandé cette box pour Noël ou si vous voulez la commander. Donc voilà, moi j'ai la Doggy Box, mais il y a aussi la Kitty Box, donc pour ceux qui ont des chats. Et franchement moi j'adore cette box. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me marquer en commentaire ce que vous en avez pensé. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.